J.Y. Jesus first, all the second, and yourself last. This is our vision of life. Pense à moi. Seigneur mon Dieu, pense à moi. Ne m'oublie pas. Mais moi, si je t'ai oublié, oui, je t'avais oublié parce que je ne te connaissais pas. Maintenant que je commence à te connaître, ce n'est pas le moment de m'oublier. Car j'ai conscience que tu es là pour moi seul. Comme si j'étais un enfant unique, auquel le papa n'a Dieu que pour lui. Je sais que je fais partie de ta grande famille. Et vu le nombre d'enfants que tu as, et que tu vas encore avoir, il se peut que tu m'oublies. Mais je sais ce que je dois faire pour ne pas que tu m'oublies. C'est de te louer, de te chanter, de te raconter. Alors, forcément, tu entends toutes choses venant de la terre. Donc jamais tu ne m'oublieras. Amen. Histoire de l'arbre. Au lac de la montagne, je me suis assis au pied d'un arbre. Quel bel arbre! Il est grand. Il est garni de milliers de feuilles qui se chargent de lumière. Un arbre sans feuilles est un arbre mort. Les branches sans feuilles sont des branches mortes. Les branches mortes sont celles qui ont été malades ou blessées. Mais elles restent là, sur l'arbre. Elles sont devenues inutiles et offrent désolation. Alors, il faut les couper proprement, car arrachées, elles peuvent blesser l'arbre lui-même. Ne serais-je pas cet arbre qui prend toute la lumière du Seigneur, mais avec des branches mortes, c'est-à-dire des anciens péchés pour lesquels j'ai demandé pardon à Jésus, convaincu qu'il m'a pardonné. Que ces branches mortes ou péchés soient enlevées de l'arbre. Il peut toujours rester des cicatrices, mais elles sont peut-être nécessaires pour ne pas oublier ce que le Seigneur a fait pour moi. Cela ne l'empêche pas d'être un arbre qui reçoit toute la lumière grâce à toutes les autres branches garnies de feuilles. On voit vraiment que cet arbre a souffert. Mais cela ne l'a pas empêché de grandir,
Bien au contraire. Avec le Seigneur Jésus, on devient beau. Merci Seigneur. Amen. Je ne connaissais rien. Oui, je ne connaissais rien à l'amour. Pourquoi est-ce que je ne connaissais rien? Peut-être que tout simplement, que je n'ai rien appris, que l'on ne m'a rien dit, que l'on ne m'a rien montré. En dépit de tout cela, je crois que j'étais quelqu'un qui voulait aimer et qui n'a jamais su le faire parce qu'il ne savait pas ce que c'était d'aimer. Je ne soupçonnais même pas que pour aimer, il fallait donner. Cette notion nouvelle m'est apparue que bien tard. Et c'est quand j'ai commencé à lire la Bible, à essayer d'en comprendre le message, qu'il ne parle que de l'amour de Dieu pour les hommes, de l'amour de Yeshua, Jésus-Christ, pour l'homme. Le nombre de fois que j'ai cru aimer était toujours pour mes ambitions. Aimer avant tout l'autre, jusqu'à m'effacer, était notion inconnue. Oui, il m'a fallu connaître le désert pour apprendre à aimer, pour apprendre à donner de sa personne. Et si nous deux, nous trois, nous quatre, notre famille, nos amis, et pourquoi pas l'étranger, c'est peut-être le moment, le temps d'y penser, d'agir, que nos paroles, nos actes soient du baume sur les cœurs. Alors ok, quoi que je dise, quoi que je fasse, que tout cela leur soit favorable. Ceci n'est pas du rêve. Cela est à ma portée, à notre portée. Alors, l'amour régnera. Avec lui, le vainqueur, le pourvoyeur de bonheur et de justice. Pour la gloire de Dieu. Amen. Message de paix.
Jésus, mon frère d'armes. Je rêve du temps de la guerre 14-18, période de Noël. Cette guerre effroyable, cette guerre de tranchées où pendant des jours et des jours, dans la boue, le froid, la pluie, la neige, je suis là avec un fusil. Et je ne suis pas sûr qu'il fonctionne encore. D'un coup de sifflet, je dois sortir de la tranchée et de me faire tuer par l'ennemi. Si je ne sors pas, c'est un des miens qui me tue, mutinerie. Heureusement, voilà, je n'ai pas dû sortir de la chanterie, parce que j'avais un ami, un frère d'armes, qui a pris ma place. À chaque coup de sifflet, il me disait chaque fois, « Reste ici, je vais au combat pour toi. » Un jour, il n'est pas revenu. On m'a raconté sa mort héroïque. Il était tout seul devant l'ennemi. Il criait, « Je suis la victoire, je suis la victoire. » Tous les ennemis s'effaçaient, prenaient la fuite. Impressionnant de voir cette mouvance d'ennemis se confondre et disparaître. Quand j'ai su tout ce que mon ami avait fait pour moi, il l'avait fait pour des milliers d'autres soldats. Il a été au combat à notre place. Il nous a donné la victoire. Toutes les armes se sont tues. C'était la paix. Amis comme ennemis, nous nous sommes tous rassemblés sous son drapeau, sous sa bannière. Et de savoir qu'à ce moment, nous entrions dans la paix éternelle. On m'a raconté que mon ami s'appelait Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je ne le connaissais pas très bien, je savais seulement que c'était mon ami. Je dois vous dire qu'il m'a fallu un certain temps pour croire que réellement c'était mon ami. À chaque coup de sifflet, il partait au combat à ma place. Je repense souvent à cet ami, oui, des mauvais jours. Il ne m'a jamais dit, mais jamais, je reste dans la tranchée, va au combat à ma place. Dans cette boue, ce marasme de mort, j'ai compris que cet ami Jésus-Christ m'avait sauvé de la mort. J'ai appris aussi que cet ami Jésus-Christ était le Fils de Dieu, fait homme pour mener nos combats. Combien de fois ai-je pensé, comment ferais-je pour le remercier? Oui, comment ferais-je? Il y a un jour, j'ai trouvé que le meilleur moyen d'honorer mon ami Jésus-Christ, c'était d'aller au combat avec lui. Dans ce combat pour la gloire de Dieu, je n'avais pas peur des bruits de guerre, j'avais la paix. Une paix qui m'a donné la force de sortir de ma tranchée de quiétude. Mais aussi, si je restais dans ma tranchée, je pouvais aussi mourir sans avoir combattu avec Jésus-Christ. Je suis vraiment content, heureux, que cet ami-là est venu près de moi. Car il m'a appris le vrai combat, le combat qui vous mène à la victoire. Ma première victoire a été sur moi-même, quand j'ai accepté cet ami dans mon cœur, comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce moment, je suis allé de combat en combat, mais de victoire en victoire. Je sais aussi que je n'ai plus besoin de mon vieux fusil, quand en plus, je n'étais pas certain qu'il fonctionne à chaque coup. Maintenant, mon fusil, c'est la prière, la fidélité à Jésus,
Et quand atterrir, c'est Jésus qui va le faire. Jésus vise juste à l'endroit où il faut, au moment où il faut. Maintenant, je lui remets tous mes objectifs. Je lui remets toutes mes cibles. Lui sait quand il doit tirer. Parce que les balles de Jésus-Christ ne sont pas des balles de mort, mais des balles de résurrection. Et que Jésus ne sera jamais à court de munitions. Pour combattre pour Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, il faut que nous soyons en paix avec nous-mêmes, en paix avec les autres. C'est-à-dire leur donner la paix au travers de nos demandes de pardon. Pas tout simplement des pardons de parole, mais des pardons d'action, où on voit l'amour pour l'autre qui s'épanouit. Et qu'aussi, le pardon est un cheminement vers la paix. C'est cela, sortir de la tranchée de quiétude. Et pourquoi pas entrer dans le pardon, dans la paix, comme Jésus nous le demande. C'est tout un programme. Hein? Alors, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Amen.